l'escalier s'appelle-t-il l'escalier ? Tout simplement parce que au sein du bâtiment, nous abritons un escalier classé qui date du XVIIe, XVIIIe siècle et qui a donné tout son cachet et toutes les valeurs du lieu, donc des valeurs de progression, de monter les marches ensemble et quelque part de faire de ce lieu un ascenseur social. Voilà, donc c'était pour nous le symbole parfait d'un tiers-lieu. Alors que trouve-t-on à l'escalier ? On trouve au rez-de-chaussée tout d'abord un espace de coworking qui se prolonge sur un café associatif. Donc en semaine, on accueille des gens qui viennent simplement boire un café ou qui viennent travailler sur quelques heures d'affilée. Et les week-ends, on accueille des concerts, environ un concert par mois. Et puis de plus en plus des expositions à la fois sur l'espace café coworking et le hall d'entrée dans lequel je me situe actuellement. À l'étage, on a 3 bureaux individuels de 15 mètres carrés qui hébergent l'association Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard, association qui est à l'origine de la maquette que nous avons également au rez-de-chaussée. Et puis on a une grande salle de réunion qui peut être mobilisée principalement les soirées, le week-end, puisqu'en temps normal, sur des temps de promotion, de formation, on accueille une formation de développeurs web avec le réseau Simplon. Voilà. On a aussi une petite salle d'atelier pour 6-8 personnes qui sert à des pauses détente sur la journée pour les résidents de l'étage, pour se réchauffer un café, réchauffer son repas, mais qui peut aussi être occupée en petite salle de réunion ou d'atelier. La formation développeur web et web mobile avec Simplon. On a eu la chance de faire diplômer 10 personnes là, sur la promo qui s'est terminée en octobre. Et nous sommes en pleine constitution de la promo 2 qui va commencer en janvier. À terme, on souhaite, en plus de ce volet professionnalisant, être vraiment un lieu de médiation numérique. Donc ça, c'est vraiment le projet 2020. On est sur un territoire où il y a beaucoup de personnes âgées qui sont vraiment concernées par ces sujets-là. Et puis bien sûr, on veut aussi toucher des jeunes qui sont parfois un petit peu dans leur coin, qui n'osent pas toujours pousser la porte.